Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette qui est un poulet entier char siu dans l'air fryer. Nous allons avoir besoin d'un poulet entier d'environ 1,5 kg. Les ingrédients pour la marinade: un tiers de tasse de cubes de tofu fermenté, environ 3 à 4 cubes. Un quart de tasse de sauce hoisin. Un quart de tasse de sucre brun. Un tiers de tasse de sauce soya légère. 2 cuillerées à soupe de miel liquide. 2 cuillerées à soupe de vin de riz Shaoxing. 1 cuillerée à thé de 5 épices. Et pour terminer, pour les ingrédients pour la marinade, 1 cuillerée à soupe d'huile de sésame. Les ingrédients pour la badigeonnade: nous avons besoin de 2 cuillerées à soupe de miel liquide, 1 cuillerée à soupe de sauce hoisin et 1 cuillerée à soupe de cubes de tofu fermenté, donc ça représente à peu près un cube. La première chose qu'on doit faire, c'est d'enlever la colonne vertébrale du poulet, c'est-à-dire comme faire une crapaudine. Alors, je le tourne sur le ventre et je vais couper chaque côté de la colonne vertébrale. Avec une bonne paire de ciseaux, ça va très bien. Et voilà, je le retourne. Je l'écrase et c'est ce qu'on appelle un poulet en crapaudine. Dans un bol, je vais combiner tous les ingrédients de la marinade, donc les cubes de tofu fermenté, la sauce hoisin, le sucre brun, la sauce soya légère, le miel, le vin de riz Shaoxing, le 5 épices et pour finir, l'huile de sésame. Je vais bien mélanger tout ça et je vais réserver. À l'aide d'une fourchette, on va bien écraser les cubes de tofu pour les incorporer à la marinade. Dans un grand sac Ziploc ou dans un grand bol, je vais verser la sauce sur le poulet. Je vais fermer et je vais bien masser le poulet sur tous les côtés. Et je vais réfrigérer pour 24 heures au frigo en brassant de temps en temps, en massant de temps en temps le poulet. 24 heures au frigo. Dans un petit bol, je vais mélanger les trois ingrédients, c'est-à-dire le miel, la sauce hoisin, ainsi que le tofu. Je vais bien mélanger en écrasant également le tofu. Et ça va me servir de badigeonnade. Après 24 heures, j'ai sorti mon poulet crapaudine de mon sac. Regardez comment déjà il a pris sa couleur. Et j'ai mis le bouillon de la marinade dans une casserole que je vais faire bouillir pour faire une sauce. Je préchauffe en ce moment mon air fryer. Et lorsqu'il va être chaud, je vais pouvoir le mettre pot vers le bas à 375 degrés Fahrenheit pour 24 minutes. Alors, j'ai préchauffé mon air fryer. Je vais maintenant déposer mon poulet. Et c'est important qu'il faut que la poitrine soit sur le dessous. Je vais mettre une température de 375 degrés Fahrenheit avec une minuterie de 24 minutes. Mais après 6 minutes, je vais venir badigeonner. Alors, je mets pour 24 minutes et j'attends 6 minutes. Après 6 minutes, je vais badigeonner
un peu partout. Et je vais remettre pour un autre 6 minutes. Ça fait 12 minutes. Je vais tourner mon poulet de côté sans me brûler. Je vais mettre le reste de la badigeonnade partout. Et je vous dirai qu'après 10 minutes, je vais vérifier la cuisson. Je remets dedans. Le 12 minutes écoulé, je vais vérifier la température du poulet. Il est supposé d'être à 175. Il est à 160, donc ça dépend toujours de la grosseur du poulet. Oui, il manque un petit peu. Alors, on va remettre pour la cuisson pour un autre 3 minutes. Alors là, j'ai vérifié la température. Elle est parfaite. Donc, je vais le sortir. Il est bien grillé, croustillant. Et nous allons aller ensuite au service. Nous sommes rendus au service. Si vous remarquez, le poulet est parfait. Nous avons accompagné ça de frites dans le air fryer aussi. Je vais ajouter la marinade que j'ai fait bouillir et réduire, qui va servir de sauce. Alors, j'arrose de sauce. Et maintenant, je vais vous dire ce que Julia Child vous aurait dit. Bon appétit!